Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est John, à la cabane comme souvent. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale comme disent beaucoup de youtubeurs, parce que je vais faire un unboxing comme beaucoup de youtubeurs. Bon, je plaisante, hein. C'est juste en fait un petit produit que j'ai acheté sur Amazon et qui, je l'espère, va bien me servir à l'intérieur de la cabane pour me réchauffer, ou en tout cas pour accélérer le réchauffement de la cabane, parce que j'y viens pas souvent et donc forcément à chaque fois quand c'est l'hiver, c'est un petit peu dur de la chauffer. Ce produit, c'est quoi? C'est un ventilateur. Un ventilateur pour poêle ou un ventilateur pour cheminée. Le voilà. Donc c'est vraiment un unboxing, comme ils disent les vrais. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Je l'ai reçu comme ça, hein. Il y avait le collier qui sortait. Voilà, voilà. On fait tout en une seule prise. Il n'y a pas d'arnaque sur Cabanesque. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça tient dans la main, quoi, hein. C'est à peu près la taille de ma main. Je vais le poser là. Hop. Et ça, c'est le collier. Donc le but, en fait, c'est de le fixer au tube de la cheminée. Et ça fonctionne sans... Ça fonctionne sans électricité. Ce qui va actionner le moteur, ça va être la chaleur produite par la cheminée. Donc je vais l'installer, on va passer dans la cabane. Et une fois que ce sera installé, j'irai chercher du petit bois et puis j'allumerai un feu. Allez, on y va. Donc, nous voilà à l'intérieur. J'ai regardé un petit peu le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est ça. Donc autant dire que c'est nul, donc poubelle. Et on va faire sans. Alors, j'ai dévissé le collier, il est là, pour pouvoir le passer autour du tuyau. Tuyau qui est froid pour le moment, parce que j'allais pas faire ça forcément avec un tuyau chaud. Pas envie de me brûler, je suis pas non plus inconscient. One eternity later. Ah. Voilà. Ça a l'air de bien tenir. Maintenant, il faut aller chercher du petit bois. Hop. On éteint la lampe pigeon. La guirlande. Et on se revoit tout à l'heure. Allez. Il est 8h moins 10 là. On va tenter d'allumer le feu. Ah. Allez, à toi de jouer. Voilà, c'est ça qu'on veut. A few moments later. J'ai commencé le feu, il était 8h moins 5 à peu près, il était 19h53, quelque chose comme ça. Il est 20h08 et j'ai levé la tête et il commence à tourner en fait. Je sais pas si on le voit bien là. Ça fait zéro bruit. Donc on va voir comment ça fonctionne. Enfin, est-ce que ça me ramène de la chaleur de l'autre côté de la cabane? Parce que c'est quand même ça le but. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais cuisiner. Voilà, le petit test touche à sa fin. Alors, comme vous vous en doutez, c'est pas une vidéo sponsorisée. Petit clin d'œil à Bilan Bushcraft. Salut à toi. Je vous montre un petit peu ça en action. Voilà, ça tourne toujours. Et puis au final, eh bien, je pense que ça fait un petit effet quand même, quoi. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Mais c'est un petit plus. Un petit plus qui au final donne un petit peu plus de confort. Allez, je vous dis à la prochaine
profitez de la nature, soyez cabanesques. Ciao.